magazine de l'acrobatie, nous sommes en Égypte, vous l'aurez remarqué, pour rendre une fois encore hommage à Georges Nissen qui avait monté un trampoline sur le sommet de la deuxième pyramide que vous voyez derrière moi, la pyramide de Khéphren qui était dans les années 70 avec l'équipe des États-Unis. On revoit actuellement les photos de ce petit exploit puisqu'aujourd'hui on ne peut plus monter sur ces pyramides. Nous sommes aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux pour le championnat de France de trampoline, tumbling et gymnastique acrobatique. Nous allons voir ce qui s'y est passé précisément. En trampoline, le champion d'Europe, Grégoire Penn, a remporté son 5e titre national consécutif. Il devance Michael Jalla de Sevran et le canois Loris Bailey qui prend la médaille de bronze. Champion d'Europe 2010, Grégoire Penn. Et... un 5e titre. Qu'est-ce qui va t'arrêter? Pardon. Ce qui va m'arrêter, je sais pas. Bah voilà, le 5e, celui-là, je le voulais. C'était du jamais vu encore en France. Donc, c'était le petit objectif. Et je me suis bien mis la pression quand même. Je fais pas le leap de mes rêves. Je vais pas vous le cacher. Et voilà, fallait que j'en profite. Profiter aussi de l'absence de David et de la blessure de Tite. Et voilà, je suis content, je suis allé au bout. Donc, objectif atteint. Merci Greg, encore bravo. Merci à vous. Chez les dames, victoire de la Sénoise Joëlle Vallès qui remporte son premier titre national devant la Rennaise Marine Jurbert et Vincent Nathanulio du club du PEC. Joëlle, premier titre de championne de France senior, félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on ressent quand on monte sur la plus haute marche du podium hexagonal? Bah, c'est trop bien. C'est clair que ça fait du bien d'enfin que... ça paye quoi, parce que j'ai beaucoup travaillé après les Europes et voilà, super. Une médaille de bronze le mois dernier au championnat d'Europe et un championnat du monde en préparation, tout va bien pour Jojo? Tout va bien pour Jojo, troisième au championnat d'Europe, maintenant championne de France, voilà, il reste plus que les championnats du monde et voilà. Rendez-vous à Metz. Merci. Après une blessure l'an dernier, Yves Tarin revient avec un nouveau titre de champion de France en tumbling. Il devance Julien Bretagne. Yves, on s'était vu au demi-finale, tu avais remporté la compète. Voilà, deux demi-finales rassemblées, ça fait un championnat de France. Et un champion de France à bientôt 30 ans, ou plus de 30 ans, je sais plus. 31 ans bientôt. Oui, t'étais pas loin. C'est vrai que bon, je ne m'attendais pas trop au titre parce que les jeunes derrière avaient plus de diff que moi. Donc moi, j'ai juste à faire mon programme et voilà quoi. Mais bon, après, comme tout le monde sait, la compète reste la compète, donc et voilà quoi. Une grosse blessure en 2007, le Tarin est de retour et de la plus belle des manières. Oui, aussi, j'ai réussi aussi à soigner mes blessures de l'année dernière, donc bon, c'est pour ça aussi que je reprends un peu plus de plaisir à tumbler. J'ai vraiment adapté l'entraînement, j'allais dire, à mon grand âge, en faisant un jour sur deux. Mais disons, j'ai un avantage, j'ai pas besoin d'apprendre, j'ai besoin de reprendre, donc voilà quoi. Les automatismes reviennent un peu tout seuls au bout d'un moment. C'est un plaisir pour les spectateurs, en tout cas encore bravo Yves. Merci beaucoup, merci à vous. Chez les dames, premier titre pour Marine Debauve, l'ancienne gymnaste de Dijon qui s'impose devant Mathilde Mullery de Draveil et sa compatriote de club, Lauriane Lamprin. Marine, premier titre, félicitations. Merci, je suis super contente. Ça fait un an et demi maintenant que je suis sur les pistes et c'est vrai que l'année dernière, j'avais essayé des gros ifs parce que c'était le premier et que je risquais pas grand-chose. Cette année, j'ai assuré et avec la piste donc, qui était un peu difficile, mais ça a bien marché et je suis contente de moi. Une belle 5e place au championnat d'Europe et un championnat du monde dans quelques mois qui se prépare. Ouais, en effet, là, il reste à peu près 4 mois avant les championnats du monde. Là, ça va être place à un petit stage après les vacances et après, ça va vraiment enchaîner les gros stages à l'étranger, à Rennes et après les Coupes du Monde pour arriver au championnat du monde. Ça va être du rapide. Merci Marine. De rien. Anthony Junior, le club de Saint-Sulpice, ramène le titre chez les garçons. Louis, une très belle médaille aujourd'hui, ton premier titre en junior, sensation? Très très heureux, franchement, je l'attendais vraiment cette médaille, ça faisait longtemps et voilà, vraiment très heureux. Sur quelle série tu l'emportes? Je pense que c'est sur les deux. Sur les deux, ouais, avec ma propreté, je pense que oui. Avec une conclusion full in-back groupée sur la deuxième? Ouais, voilà, je pense que j'ai fait une très jolie sortie. Voilà.
Et cap sur Metz maintenant pour le championnat du monde par catégorie d'âge. Ouais, ça aussi je l'attendais et je suis vraiment très heureux d'y aller. Ouais. Bravo Louis encore et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Victoire chez les juniors du Levalloisien Reda Messatfin qui remporte le titre pour sa dernière année dans cette catégorie. Et de l'Antiboise Solène Bardi, on les écoute tous les deux. Premier titre de championne de France pour Solène, félicitations. Qu'est-ce que ça te procure comme sensation? Je suis très contente pour mon premier titre de championne de France. Après une belle médaille au championnat d'Europe le mois dernier. Ça fait plaisir. Donc des championnats du monde en préparation, tout va bien? Oui, ça va. Merci Solène. Merci. Avec Reda Messatfa, le nouveau champion de France de trampoline junior. Reda, félicitations, ton impression? Très heureux, j'attendais ce titre depuis déjà 2 ans, parce que l'année dernière j'ai fait vice à un dixième. Donc là on s'était préparé pour finir l'année en beauté et la médaille, donc meilleur résultat, donc je finis bien l'année. Doublé de Reda Messatfa qui remporte également l'or en trampoline synchronisée senior cette fois, avec Rodrigo Pacheco, toujours pour le Valois. Chez les dames, victoire de Camille Dru et Vincente Natanuyo pour le club du PEC. Après s'être blessé lors des échauffements du vendredi, Thomas Ferragotti s'est bien rattrapé avec une victoire en duo mixte qui est la gymnastique acrobatique. Thomas du club de Bois-Colombes associé à Maëlys Val. Les Bois-Colombiens devancent le club d'Elbeuf avec le duo Damien Laturaz et Aurélie Le Petit. Victoire de Bois-Colombes également en trio élite féminin avec le trio Cristal Dupire, Maxime Ouzan et Sarah Lecor qui devant ses antiboises Marlène Chamois, Laura Purdy et Magali Van Eschelpoel, tandis que les Rennaises Charlotte Deneville, Manon Jouet et Océane Kerener prennent le bronze. En quatuor élite pour terminer, victoire du club de Trévoux avec Axel Pézet, Mickaël Montauvert, Martial Dubuis et Nicolas Damiro. Yves Chevalier, organisateur heureux. Oui, heureux, satisfait, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, mais un résultat à la hauteur de nos espérances, avec un public ravi, avec la ville d'ici les Moulineaux enchantée. Donc le but recherché est atteint, un grand week-end sportif. Merci et encore bravo. Merci. Après le championnat de France, retour sur le championnat d'Europe de trampoline, tumbling et double trampoline avec le champion d'Europe, Grégoire Penn, qui nous accordait une interview. Привет, c'est Grégoire Penn, champion d'Europe trampoline. Да, меня зовут Гриша Андрей. Рыбим батут давай, потому что, да? Спасибо. Avec Grégoire Penn, le champion d'Europe 2010 de trampoline. Alors Greg, 13 ans après David Martin, le plus beau métal sur le championnat continental. Quel effet ça fait? Ça fait rêver. Hein. Je vous avoue que j'y pensais avant de partir avec ma deuxième place en 2008. Donc voilà, j'ai mis tout en œuvre pour essayer d'atteindre la plus haute marche cette année. Et voilà, avec un peu de réussite, et ça a payé. Sur de la 4x4 Eurotrempe, la bonne fusée que tu as bien domptée. On a eu ça en Coupe du Monde à Gand déjà. Ouais, c'est vrai, moi j'ai accroché avec ce trampo un peu dur au début, pas mal de chutes. Mais dès qu'on a pris un peu le timing et la technique de la toile, c'est vraiment c'est parfait après pour des gens comme moi, un peu grands, qui ont du mal à tourner. Moi ça a pu m'aider, donc voilà, je continue sur ma lancée et j'espère pas m'arrêter là. Et tu as mis à l'amende Youri Nikitine, le tenant du titre. Ouais, c'est là où la réussite est entrée un peu en jeu en fait. Moi j'ai attendu son passage, j'avais fait ce que j'avais à faire. Et il fait 8 touches impeccables et 9-10, il arrête son mouvement. Donc voilà, comme quoi le trampo c'est jamais fini, quoi, faut aller jusqu'au bout. Et... Merci Grégoire. Merci. Grégoire a remporté une deuxième médaille en argent, c'était en trampoline synchronisée avec son compère de toujours, Sébastien Martini. Tous les deux reviennent sur cette très belle performance. Messieurs, en 2008, médaille d'argent, 2010, on remet ça, sensation? Heureux, on est vraiment content de repartir encore avec une médaille synchro.
Donc voilà, ça s'est bien passé. On a fait un passage pas exceptionnel, mais ça suffit pour avoir la médaille d'argent. Donc on est quand même content de repartir avec cette médaille d'argent. On espère quand même que la prochaine fois, on aura l'or. Est-ce que la petite blessure de ton partenaire a peut-être hypothéqué d'avoir ce plus beau médaille sur ce championnat d'Europe? Ce plus beau métal, vous voulez dire sûrement? Oui, bah, c'est sûr, ça a hypothéqué cette chance. Hein. Maintenant, il a été voilà, assez modeste. C'est vrai qu'il a sauté sur une jambe pendant tous les championnats d'Europe. Donc c'est incroyable déjà ce qu'on ait réussi à se hisser en finale. Et par la suite, gratter cette deuxième place, elle équivaut presque à un titre pour nous au retour de Bulgarie. Rendez-vous à Metz? Rendez-vous à Metz. Rendez-vous à Metz, c'est en forme. Des résultats qui ont évidemment comblé l'entraîneur de l'équipe de France, Guillaume Bourgeon. Guillaume, analyse de cette compétition? Ah bah, que d'émotions, hein. Que d'émotions, c'est clair, avec une super médaille féminine collective. Donc ça a fait plaisir à tout le monde. Une médaille qui était méritée parce que beaucoup de travail derrière, parce que de l'envie, parce que ça fait du bien au secteur féminin. Voilà. Et puis des médailles masculines aussi, en synchro avec Grégoire Penn et Sébastien Martini, qui méritent encore une fois leur belle deuxième place. À quand va s'arrêter la deuxième place, hein? Bientôt la médaille d'or, on espère, pour Metz. Et puis le titre de Greg, hein, qui a ponctué ses championnats d'Europe joliment, quoi. C'était... Entraîneur heureux donc pour cette première sortie internationale d'envergure, si je puis dire. Et puis rendez-vous à Metz alors. Bon, on se voit à Metz et là on va les préparer avec ferveur pour satisfaire non seulement le public français, mais en plus le trampoline français. Pardon. Merci Guy. Après Guillaume Bourgeon, son prédécesseur, Franck Bardi, revient sur cette très belle moisson des tricolores en terre bulgare. Franck Bardi, nous sommes à quelques semaines après le championnat d'Europe. Votre analyse de cette belle compétition chez les seniors et chez les juniors aussi, qui sont revenus avec quelques médailles? Je pense que c'était une belle compète qui était partie difficilement, comme beaucoup de pays d'ailleurs. Mais c'est un des résultats très bons, avec notamment le titre de Grégoire Penn, le titre suprême quoi, en individuel. Hein. Il y avait tout le monde, c'est ça qu'il faut dire. Hein. C'est qu'il y avait les Russes, les Ukrainiens, enfin les meilleurs trampolinistes. Et Grégoire a fait vraiment une belle performance avec un beau libre de finale. Il a fait craquer Stelik et Nikitin, donc c'est bien, on est content. Ils ont récidivé en synchronisé avec son compère Sébastien? Alors Sébastien, oui, ils ont récidivé. Il faut reconnaître que Sébastien était quand même en grosse difficulté. Et c'est peut-être la plus belle performance de la semaine. Vice-champion d'Europe, cinquième en individuel, mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est arrêté 22 jours à cause d'une blessure. Donc en s'arrêtant 22 jours, un petit entraînement la veille des qualifications, qualif et les finales deux jours après, c'est une performance extra. Bien entendu, la belle performance, c'est l'équipe féminine, parce que c'est vrai qu'on a tendance à attendre les garçons. Les filles ont vraiment montré un bel état d'esprit au niveau de l'équipe. Elles font une très très belle finale, finissent troisième. Puis les juniors qui ont montré le bout du nez avec deux médailles en synchro, les garçons, Fay et Redam et Safa, ainsi que les deux filles Léa et Solène. Et puis chez les filles, elles font deux finales, quatrième et cinquième. Donc c'est quand même intéressant, avec un beau potentiel à venir, quoi. Merci Franck. À bientôt. Qu'en pense Christophe Lambert, le responsable des équipes de France de trampoline et de sports acrobatiques? Christophe Lambert, bon bilan du championnat d'Europe à Varna pour les Français. Ouais, très bon bilan. Les 2180 km de bus à l'aller se sont bien passés, donc ça c'était un bilan positif. Et puis ensuite, un excellent cru en ce qui concerne le trampoline. L'apothéose étant le titre de Grégoire, qui lui donne la carte visite essentielle. Hein. Je parle dans l'objectif des Jeux Olympiques, c'est très important d'avoir un titre majeur. On est vice-champion d'Europe, c'est bien. On est champion d'Europe, c'est une dimension au-dessus. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il nous fallait dans cette perspective des championnats du monde qualificatifs, puis des Jeux Olympiques. On ne passera pas sous silence, bien évidemment, le collectif féminin, je dirais aucun nom, c'est le collectif féminin. Une équipe, une médaille, on aurait pu avoir la médaille d'argent, on a la médaille de bronze, la construction est bonne, le bateau est en route aussi, hein, pour la sélection Jeux Olympiques, et celle-là va falloir qu'on la prenne, hein. Hors de question qu'on n'aille pas avec une fille au jeu, donc ce bilan est super. Et puis les petits jeunes, alors bien évidemment il y aura une fausse note là-dedans, on n'aura pas sélectionné quelqu'un pour les JOJ.
C'est triste parce qu'on avait largement le niveau, on avait deux garçons qui avaient largement le niveau pour faire, hein, Reda et Louis. Bon, ben voilà, c'est la compétition, chute à la fin d'un exercice, ça pardonne pas. Et puis on a vu que ce sera un Grec, hein, qui est champion d'Europe chez les juniors, qui a fait un très beau trampoline, et bon, ben lui, il sera au JOJ, on n'y sera pas, mais la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. On a eu des belles médailles en synchro chez les jeunes, on a eu des belles médailles en synchro aussi chez les seniors. Super bilan en niveau du trampoline. En tumbling, on a été moins bon. Alors, bien évidemment, il faut se remettre en cause par rapport à ce qu'on a fait. Mais aussi, il faut vraiment dire que ceux qui ont le plus morflé sur cette histoire de bus, c'est quand même le tumbling. Arriver à 18h sur Varna pour un match à 10h le lendemain matin, bon, c'était quasi infaisable. On a essayé de le faire, mais on n'a pas réussi. Toutefois, Marine Debove, hein, 5e avec un super match, des qualifs. K1KA, mais une superbe finale. Ben justement, elle a eu le temps de se refaire et c'était deux jours plus tard. Et voilà, donc c'est bien parce que c'est un profil de passage réussi de la gymnastique artistique vers le tumbling aussi. Un petit point sur la question de la prise en compte du temps de vol, dont l'application sera différée. Oui, alors temps de vol qui était prévu, hein, pour entrer en application 1er septembre 2010 a été différé par le Council de la FIG pour une validation. Hein, c'est sûr, le temps de vol va rentrer en compte. Mais à partir du 1er janvier 2011, pourquoi ? Parce qu'il est difficile pour le partenaire officiel de la FIG, en cours de saison comme ça, d'être efficient sur de nouvelles données. Donc comme il y a aussi les juges experts, les juges de référence qui sont en train de se mettre en place pour les autres disciplines de la gymnastique, c'était trop de travail pour le partenaire de la Fédération internationale. Et deuxième chose, il faut aussi qu'on valide le système qui est en place en cas où le système numéro 1, celui du temps de vol par la machine, actuellement en machine asynchro, s'il y avait un problème, on est sur un dérivatif qui est les images vidéo, mais il faut qu'on expérimente ça à de multiples reprises avant de pouvoir mettre en route. Donc c'est en route 1er janvier 2011 et donc championnat du monde qualificatif à Birmingham, il y aura le temps de vol. Merci Christophe. De rien, au revoir, à bientôt. Dans 6 mois se déroulera le championnat du monde de trampoline, tumbling et double mini trampoline à Metz du 11 au 14 novembre. Un événement fantastique qu'il ne faut louper sous aucun prétexte. Pour cela, un petit jeu concours est organisé en partenariat avec le comité d'organisation locale, l'association des internationaux de la Fédération française de gymnastique et évidemment le club des supporters de la Fédération française de gymnastique. Pour cela, rien de plus simple. Répondez à la question suivante et renvoyez la réponse à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Bonjour à tous, rejoignez-nous au championnat du monde de Metz en novembre prochain en gagnant 2 places VIP grâce à une question. En quelle année ont eu lieu les derniers championnats du monde en France? Vous avez la réponse? Envoyez-la par mail à l'adresse qui s'inscrit au bas de votre écran. A bientôt et bon courage. Il s'est grièvement blessé à QC lors des coupes nationales. Que devient Morgan Sauton, notre ami tumbler? Bon, Morgane, tout le monde demande de tes nouvelles, alors nous allons en donner. Comment ça va depuis QC? Bah écoutez, tout va bien, 2 mois de plâtre, là, encore une petite semaine et le plâtre on l'enlève et on commence la 2e étape, la rééducation, et après on enchaînera la 3e étape, la reprise, et puis ben voilà quoi, tout va bien, très bien, le moral ça va, j'ai repris la muscu, tout ça, et puis bon bah j'attends plus que de récupérer ma jambe pour reprendre un peu plus fort encore. Beaucoup de gens se demandent ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette blessure. Bah moi j'étais bien dans le triple, hein, puis je me suis senti partir un peu sur le dos, donc je cherchais à ouvrir plus tôt pour être debout parce qu'au calif j'avais fait un petit touch avec les mains. Donc bah, j'ai ouvert un peu plus tôt pour être debout. Et donc après bah, la cheville, j'ai senti un crack. Et bon bah après moi je pensais que c'était un ligament ou deux qui avait pété. Après, les dégâts étaient là et puis bon, c'était pas que ça. Et puis en fait, le premier truc que j'ai pensé, c'était Did, le coach, il va m'assassiner encore parce qu'au calif, je pose des mains et puis là, je suis pas debout. Puis je vois la blessure et je me dis, bah en fait, non, ça va. c'est bon, il va rien me dire. Et puis bon, voilà, après voilà, c'est la blessure, ça arrive à tout sportif de haut niveau, quoi. Merci beaucoup Momo et on va se quitter sur une petite pointe d'humour parce que t'as beaucoup d'humour. Montre-nous un peu une petite démo de ton nouveau sport. Allez, c'est parti. Merde, attends, ça sort du champ.
Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, dans quelques jours, la Coupe du Monde à Davos, en Suisse, deuxième étape du circuit. Voilà. Merci d'être toujours plus nombreux à nous regarder. À très bientôt. Voilà, je fais comme je peux pour m'amuser maintenant. 70.